À 27 ans, Marie Castagnier a déjà un long parcours juridique derrière elle. Elle vient de sortir major du master sociologie du droit et communication juridique, un master professionnel dispensé par l'université Paris 2. La jeune femme ne voulait pas être juriste ni avocate. Elle a choisi ce diplôme pour son ouverture sur d'autres spécialités. J'ai vu la plaquette sur le site internet de la fac et les intitulés des matières, les enseignants, ça m'a plu. Et en fait, après, du coup, j'ai envoyé ma candidature et voilà. Avant, ce master était uniquement un master de recherche. Et là, donc l'année dernière, l'année où je l'ai fait, ils ont ouvert une branche professionnelle et c'est ça qui m'a vraiment intéressée en fait. Puisqu'il y avait du coup des cours de journalisme, d'édition, de documentation et de lobbying. Donc une découverte des métiers autour du droit. Dans lesquelles je pense qu'il existe une forte demande. Fin septembre, elle termine son diplôme par un stage en agence de communication pour avocat. 15 jours plus tard, après seulement 2 entretiens, elle décroche un CDI. Elle est désormais employée chez Enderby, un cabinet de conseil destiné aux professions juridiques. On a des avocats d'affaires comme clients, on a aussi des administrateurs judiciaires et après plus largement des métiers du conseil en entreprise, donc par exemple un cabinet de conseil en recrutement ou en organisation. Et en fait ce qu'on peut leur apporter, donc, c'est à la fois une visibilité dans les médias, mais aussi les faire participer donc, à des colloques, à des conférences et les faire adhérer à des organisations professionnelles. Et en fait donc, le but c'est de développer et de fidéliser leur clientèle. Créée il y a presque 3 ans, l'entreprise emploie 6 personnes, un signe de l'ouverture des métiers du droit au marketing et à la communication.